C'est du jamais. Tu me plais, toi, tiens. Vous, toi, vous aussi. Comment tu t'appelles? Petrus. Hein? Oui, voilà, bah, oui, mais on me fait toujours répéter deux fois. Mais vous voyez, je m'appelle Petrus. Peut-être bien agréable. Je suis marchand de bons souvenirs. Et si je refusais? Photo. Je vais photographier l'amour. L'amour. Naturellement, l'amour. Tu vas me faire pleurer comme un imbécile. Si tu n'as pas gagné, c'est que tu ne le mérites pas. Ah, ça y est, monsieur Petrus. Petrus. Assurez-moi, il m'a refait le coup que j'avais fait. Il m'a chipé des billets dans la poche de mon smoking pendant que j'avais la tête sous le robinet. Sous le robinet. Tu vas voir, puis j'en suis sûr, alors. Il rigolait tellement. Moi aussi, je rigole. Mais ça, c'est clair, alors. Oh, très clair, et surtout tellement vraisemblable. Quoi, vous ne me croyez pas? Pas trop, non? Bonsoir. Quelle idée. Elle était pas de taille, la pauvre gosse. Tandis que toi, tu te sens de taille. Qu'est-ce que tu dis? La minute de charme, le quart d'heure du rêve. Souriez. Lâche tes visions d'art, Sabatier, t'es arrêté. Ouais. Tu comprends pas ce que je te dis? Comment si je crois? Ça va se passer comme ça, moi je vous jure. On va en entendre parler. Mais qui êtes-vous? Ben, je... Oh, vous êtes la victime. Si on vous faisait ce qu'on m'a fait, vous verriez que la victime, ça ne suffit pas. Avancez une chaise à monsieur. Non, 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 pas de chaise. Ne me laissez rien sous la main. Je comprends votre indignation. Personne ne peut la comprendre. Il est très rare d'être mitraillé dans la rue par des gens que l'on ne connaît pas. Mais c'est ce que je disais. Mais je me fous de ce que vous disiez. Il n'y a qu'une chose qui compte pour moi. Que va-t-on faire de mes assassins? Il faut vous calmer, mon ami. Je ne suis pas votre ami, je suis l'ami de personne. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Je vous préviens tout de suite que je ne recevrai pas des coups de revolver qui ne me sont pas destinés pour qu'on vienne ensuite se foutre de ma gueule. Je te veux blotti contre moi. On sent bien que je t'aime. N'est-ce pas, Petrus? M'en fous. Mais lâche-moi donc. Non, mais blague pas, Liliane. Je t'aime, toi. Mais je sais bien que j'ai déjà raconté ça à toutes tes petites copines. Mais avec toi, je le pense vraiment. T'es folle, voyons. Ça va être à toi. Mon chéri, je suis libre cette nuit. Je serai chez toi vers 3 heures, comme d'habitude. J'aurais voulu vous voir en petite robe de plage, les cheveux au vent, debout sur le rocher de la Vierge. Mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'as à nous regarder comme ça? Occupe-toi de tes affaires. Et quand j'en aurai fini avec ton photographe, tu pourras te déguiser en infirmière. Votre danseuse me voyait avec vous, moi je serais pas tranquille. Ah! Petrus. Petrus.